Salut à tous. Salut. Allez. Si vous regardez mes yeux, vous allez vous rendre compte que je n'ai pas dormi de toute la nuit d'hier. Je n'ai pas dormi à cause de vous. Vous imaginez que le boss a parlé avec moi de 22h à 4h du matin? Mais Red, c'est quel travail que tu fais ici finalement? Mais qu'est-ce qui se passe, Dei? Je t'avais expliqué ici que même s'il y a n'importe quoi que tu veux diffuser ici à la télé, tu m'appelles d'abord, j'appelle le boss, je prends sa position, il nous dit ce qu'il faut qu'on dise. Tu te souviens ce que t'as dit? Tu joues les grands journalistes? Tu t'assois, tu dis ce que tu veux, vous raconter n'importe quoi. Je n'ai même pas regardé le journal hier. C'est le boss qui m'a rappelé pour me dire des choses. Qu'est-ce que dans ton journal hier? C'est moi, boss. Encore toi? Encore toi? Toi, tu viens t'asseoir ici à la télé et tu racontes que les cultivateurs de tomates sont au Cameroun. Boss, ce que tu as vu sur le terrain et nous ne disons que ce que nous voyons. Ce que tu as vu sur le terrain, c'est ce que le boss a vu. Est-ce que c'est ce que le boss a vu? Tu ne peux pas voir, tu demandes si le boss voit la même chose avant de diffuser. Mais boss, il s'ouvre. J'espère que quand le boss va venir, si tu vas lui dire la leçon là. Non, j'espère. Boss, sinon pourquoi nous faisons dans l'information? Si nous ne pouvons pas donner ce que nous voyons sur le terrain. Toi, il y a d'abord, moi je vais plus continuer ici. Moi je vais plus être chrétien. Moi je ne peux pas perdre mon travail pour vous, il faut que vous disiez ça. Toi, tu es là deux fois ici, comme ça. La dernière fois que tu es allé à la Tibamba, nager, tu t'assois au journal, tu dis que la personne est allée et s'est noyée. Il s'est noyé, je n'étais pas seule. Mais c'est vrai, il s'était noyé. Et qui est? Vous êtes complice. Bon, ok. Boss, je ne peux pas voir un truc noir, je viens de dire c'est blanc. Le boss dit que la personne ne s'était pas noyée. Et c'est ce que le boss dit qu'on doit partager. Je pense que nous sommes un média. La déontologie journalistique voudrait que les informations qu'on a sur le terrain, qu'on diffuse ça à l'opinion publique. Moi, je trouve normal que ces informations, qu'on les diffuse sans arrière-pensée. Je ne sais pas pourquoi vous vous en prenez à elle, hein. Je trouve normal. J'espère que tu peux donner les mêmes leçons au boss. Hein. Donc toi, tu veux me parler de déontologie du net, tu veux me faire ça, tu fais ça au boss. Avec ta déontologie, après tu peux ouvrir ta page télé. DG, c'est un média. Et puis, dites-nous, si c'est une structure familiale, dites-nous. Et puis, cette façon de nous traiter, ça ne me plaît pas. On a été à l'école, on est formé pour ça. Ce n'est pas ici que vous allez nous casser les plumes. Bonjour. Bonjour, président. Asseyez-vous. Qu'est-ce que tu as fait le journal hier? C'est toi? Oui, président. Tu as dit quoi au journal? Que les cultivateurs de tomates souffrent. Tu parles des cultivateurs? Tu as mis à cultiver un jour? Ton père cultivé. Et pour clôturer, tu dis, je l'ai dit que. Toi, dis, je l'ai dit que non. Non, j'ai pas parlé de ça. Même ta bouche quand je le présente pas. Tu dis, je l'ai dit que. Tu n'as pas suivi ça. Hein? Ça va sur toi. Elle a fait comment pour se trouver ici? C'est ta copine que tu dis qu'elle s'appelle enfant là. C'est ton enfant qui t'a demandé. C'est toi la mère de Joël? Oui. Comment va l'enfant? Il va bien. Il faut bien assimiler ton papier avant de venir au journal dire n'importe quoi. Nous sommes d'accord? Qu'est-ce que c'est que ça? Et je reste ici, resté le week-end. J'ai passé mon temps à voir le film hindou. Le diffuseur, c'est qui ici? C'est moi, président. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux mettre le film hindou à longueur de journée? Je dis à mon ami. Président, c'est pas de ma faute. Il y a une copine de quoi banquier m'a appelé que sa mère est venue passer le week-end chez elle. C'est elle qui m'a appelé du mec que le film est hindou. Ah, où tu allais souvent venir? Ah, c'est elle qui voulait que tu mettes le film hindou, hein? Oui, président. Ok, bon. Il y a déjà un truc que je vais vous dire ici. Moi, ici, c'est ma chose. C'est ma télé. C'est quoi? Votre télé. Votre diplôme, je n'ai rien à foutre de ça. Je n'ai rien à foutre de vos diplômes. Président, téléphone. Mais quand le président parle de l'oreille... Je tais-toi. Allô? Allô? Oui, c'est quoi? Si les journalistes vont venir sur le terrain, faire quoi? Les pavés sont là. Vous avez fait le virement. Oh, monsieur, tu mets la boucle, oh! C'est moi qui parle. Quand je parle, on se tait.
Oui. Dès que je le sois, monsieur, monsieur, ça se passe comme je dis, pas comme vous dites. La cause. Voilà. Donc, je n'ai rien à foutre de vos diplômes. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, président. Oui, je dis, hein, qui présente le sport ici? Le balance. Lève-toi. Je dis, hein, toi, je t'envoie faire une couverture ici au Gabon. Toi, tu veux fuir pour aller à l'aventure. Tu peux que l'Europe est collée au Gabon. Hein? Jusqu'à c'est la police des frontières qui m'appelle pour dire qu'on t'a arrêté, bah, tu veux traverser pour entrer au pays voisin. Regarde la tête ici. Comme toi, on t'envoie ici à côté. Tu vas faire du tourisme au lieu de faire ton travail. Petit bon à rien. Mais boss, vous m'avez envoyé dans quelles conditions? Une mission où j'aime pas vous dormir, j'aime pas de quoi manger. J'étais obligé de tu mets la boucle. J'étais obligé d'aller chez des amis pour chercher de quoi manger. Ok, va dormir chez toi, sors. Mais ça c'est la dictature ça. C'est l'esclavage ça. Je ne peux pas fonctionner comme ça. Oui, donc. D'abord, oh, donne le téléphone là. Oui, prenez votre... Oui, mais la clé la voiture. C'est là-bas à la caisse. Ouais, dis donc. Comment? Et la chemise là? C'est pas du cas, moi. Non, c'est tout confisqué, c'est un petit bon à rien. Et que je ne vois plus jamais tes pieds ici. Je ne vois plus jamais tes pieds ici. Pauvre type. Et je fais le constat, on m'a dit ici, vous vous accouplez déjà. Voilà, président. Oui, c'est qui a fait? Président, là voilà. Lève-toi. Merde, c'est elle, hein? Tu as combien de mois? 3 mois. Président. Quoi? 3 mois, président. Donc, tu viens chercher le travail du journalisme dans ma société, dans ma télé. Au lieu de donner les informations, tu prends que les bébés. C'est ça? Donc, tu es venu ici former ta part de crèche dans ma télé. Même pas un an. Merde. Qui fait ça? C'est vous, rédacteur, monsieur le président. Encore le type si. Encore toi, le rédacteur si. Toi qui prends la voiture de la société, au lieu de venir garer à la société, tu peux faire les clandos. On va parler de ce que tu ne joues pas les debouts. Te voilà, tu as enceinté une journaliste. Tu as enceinté toi une journaliste. Avec ta veste comme les parachutes des paracommandos. Toi, tu as enceinté encore une journaliste. Ok. Au lieu de donner les informations aux gens, toi, tu te permets d'aller grimper sur le poteau sans te protéger. Ça va chez toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Lève-toi! Lève-toi! Un journaliste de ton niveau, au lieu de donner les informations, tu pars toi grimper sur un journaliste sans même te protéger. L'enfant est entré. Président, c'était un accident. Un accident? Vraiment de Dieu, quelqu'un qui ne joue pas les debout. Merde, tu vas te protéger. Ça c'est seulement pensé, président. Hey, ferme-moi ça, tu me la boucle. Tu me la boucle. Tu te protéger, ça c'est seulement pensé. Tu me la chasses, hein. Président. Oui. C'est votre nièce, hein. C'est l'enfant de votre grande sœur. Hé, hey, Nina. Oui. Nina! Oui. Hey Nina, hey, c'est toi qui es venu prendre le bébé dans ma société. Hey, ma grande sœur a dit quoi? Nina, hey, tu es venu jouer au petit golé. Tu encaisses le bébé par un an de travail, Nina. Ma grande sœur a marché derrière moi, fatiguée pour toi, Nina. Hé, hey, Nina! Hey, Nina est venue fonder la crèche. Oh! Tu es mal tombée, la nièce de qui? La nièce de qui? Je vais te brûler qu'avec la scie de World, les types de haut. Et tu sais quoi combien? Oui, 65 000. 65 000? Il y a exagéré. Non, mais tu sais 4 mois, je n'ai pas payé. Toi, c'est 6 ans. 6 ans, tu ne touches rien ici. 6 ans. D'abord, appelle-moi ça. Appelle-moi ça. Nina. Ferme tes jambes, Nina. En tout cas, je te dis à l'iné. Bon.
Oui, bonjour monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous voulons voir le PDG. Est-ce que vous avez rendez-vous? Nous sommes les chefs du village et c'est un notable. C'est notre nous notable voulons... Mais c'est parce que j'ai demandé. J'ai demandé si vous avez rendez-vous. Est-ce qu'il faut un rendez-vous pour voir notre notable? Mais il est même déjà très nerveux en haut là. Hein. Le PDG, il est même en réunion. Donc il ne reçoit que ce rendez-vous. Mais ah. S'il est nerveux, où est le problème? Nous avions rendez-vous au village la semaine dernière. C'est un notable. Il devait être présent. Alors? Nous ne l'avons pas vu. Mais il y a quelques jours, vous étiez déjà ici, non? Moi, je remarque ce visage. Donc, on va vous donner tous les jours. C'est votre argent. Si on vient même ici tous les jours. Mais je demande, hein, c'est quoi ça encore? En tout cas, le PDG, j'ai dit, il ne reçoit que ce rendez-vous. Hein? Il ne m'a pas laissé de consignes par rapport à vous. Merci. Ah, regarde-moi ça. Vous savez, si nous ne le voyons pas et qu'il apprend que nous étions là, nous l'attendons au village. Laisse, il va sentir. C'est bon. Vous voulez une tenue que les gens respectent. Vous avez pris ces deux mamans ici en disant que c'est pour le nettoyage. Mais elles sont tout le temps, elles sont ici en train de dormir. Même elles sont éveillées parce que vous êtes là présent. Il y a des jours où tu es au journal comme ça, tu vois seulement comment les lézards quittent au plafond, ça tombe sur la table du journal. Les câbles ne durent plus parce que les souris mangent ça. Il faut dire au président que vous grignotez dans votre bureau, vous passez le temps à manger. Et ce sont ces miettes-là qui attirent les souris. Maman, tu sais quelle est pour moi? Comment? Tu me vois, j'ai été comme ça. Tu sais qui m'a élevé? Tu sais qui m'a élevé? Tu sais qui elle est pour moi? Laisse-la là-bas. Et en plus, ça fait quoi? C'est même. Ton travail te dépasse. Il faut les laisser là. C'est encore enlevé. Ce sont elles qui m'ont élevé. Et qui ont fait de moi ce que je suis. Sans elles, que tu ne seras jamais dans cette maison. Il faut savoir que cette maison, d'abord, premier point, c'est la famille. C'est ça. C'est famille. Voilà, si elle veut créer même la piscine au studio, j'accepte seulement. Ok. Et comment il est noir comme le derrière de la marmite. Noiro. Calme-toi, laisse, donne ses mains. La prochaine fois, toi même tu ronfles sur la télévision de ton frère. Tu as compris? Dormez-vous, ronflez, hein? Oui, d'accord. Téléphone. Maman. Et toi? Tu parles aussi pour. Allô? Allô? Oui? Qui va couvrir le baptême? Qui est censé aller faire la couverture sur le baptême? C'est hey! Toi, tu aimes bien les blagues? Ils arrivent, ils vont venir, mes journalistes vont venir. Ils vont venir. Tu m'as pas dit que tu as répété les Français? Tu n'es pas français? Hein? Non, président. Ah, tu es blanc? Ah! Boubankani! Ok, aïe, aïe, aïe. Mais toi, tu l'envoies sur le soleil comment? Si Tom. Non. Prenez les informations, laissez dans le climatiseur. Je ne voudrais pas qu'un jour m'accuse de quoi que ce soit, parce que j'en ai déjà assez. J'en ai déjà assez. Je suis persécuté de partout. Justement, lui a fait part de mes préoccupations. Il n'a rien compris. Que tu es menacé par le soleil. Justement. Comme toi, tu es comme ça. Tu vas filer comme toi. Bon. Laquelle? Président, je suis harcelé. Mais on avait dit qu'on ne parle pas ici. Que... Ferme-moi ça. Tu me la boucles. N'importe quoi. Président, je suis persécuté. Par qui? Par le DEI. À qui? Et il menace de me renvoyer si je n'accepte pas ses avances. Hein? Les appels vidéo, les messages. C'est ta télé. Quand j'ai acheté les piles un jour ici pour le micro, je te parle. Je dis, hein, lis-moi son dernier message, vois. Lis-moi son dernier message. Il me dit, bonjour chérie,
tu sais que je pense à toi. Et sache que si tu n'acceptes pas mes avances, je te renvoie d'ici peu. Rati! Tu as accepté? Non, président. La bise n'a pas fait. Non. Dieu est grand. Président. Ferme ça, tu me la boucles. Tu me la boucles. Tu la boucles, tu me dis quoi? En fait, président, j'ai cru que quand vous avez pris toutes les autres filles et que vous avez laissé celle-là, qu'elle ne vous intéressait pas. Donc, l'eau a séché dans la rivière, c'est ça? Hein? Oui, celui qui a présenté le film Endou le week-end. C'est moi. Bien. Petit ma veste. Petit ça. Tu sais acheter une veste? Tu as acheté une veste dans ta vie un jour? Tu sais combien coûte une veste? Hein? Qui a fait de toi ce que tu es? C'est vous, président. Tu veux que je me mette à citer le nombre d'argent que j'ai déjà donné à ta femme et toi? Hein? Hein? Tu respires grâce à qui? À vous, président. Tu es beau grâce à qui? À vous, président. Avant, tu étais quoi? Moche, président. Et maintenant, tu sais ce que tu as fait? Tu mets la boucle! Donne-moi ça. Il n'est plus nouveau directeur. C'est bon. J'ai changé. Viens. Ok. Sors comme ça. Sors. Maintenant, tu es diffuseur. Sors. Viens. Viens. Mets la veste. Prépare-moi les papiers. Va le nouveau directeur en chef. Vous le présentez au journal le soir. Merci, président. Mmh. Mets bien la veste. Président, ça n'encre pas. Hein? Ça veut dire que dans la télé, si tu me voles, parce que tu es le seul qui a le même poids que moi ici. Ça n'encre pas pourquoi? Président, c'est pas ma taille. C'est pas ta taille. Force! N'enlève pas ça. Force! Force! Donc, présentez-le au journal. Hein? Le soir. Le nouveau directeur. Voilà, le problème c'est que je serai pas là. Je vais aller en week-end avec Joël. Et si tu pars en week-end avec Junior, ça fait quoi? Tu peux venir me dire ça à la maison? C'est toi qui es mis Junior? C'est pas moi? Hein? Tu fais le programme de vacances avec mon enfant, ça va chez toi? Bon, moi je vais devoir partir. Je vais vaquer à certaines de mes occupations. Ce que je tenais à vous dire, dans cette société, c'est d'abord ma société, c'est ma télé. C'est votre télé. C'est mon affaire pour ma famille. Je me fais saisir. Oui, président. Je suis libre de recruter qui je veux et chasser qui je veux. Ok? Oui, président. Ça ne marche pas comme vous voulez ici. Ça marche comme je veux. Oui. Qui que vous le voulez ou ne voulez pas? Je me fais saisir. Oui, président. Vos diplômes, je m'en fous. Je m'en fous de vos diplômes. C'est ma chose. C'est votre chose. Mince. Vous voulez quoi? Vous voulez que je vous entretienne comment? Quand je pars en vacances là, je rentre et vous ne gardez pas les petits chocolats? Si, président. Je ne vous paye pas bien. Je vous envoie en mission. Je ne donne pas le frais de mission. Je sais que vous avez des aérés, mais laissez-moi vous dire, en ce moment, nous sommes extrêmement persécutés par des jaloux. Et vous devriez tout faire pour valoriser et mieux vendre mon image et l'image de notre entreprise. Est-ce que je me fais saisir? Oui, président. Mes nerfs sont déjà trop tendus. Oh. Tu es comme ça, même tu es mort, tu ne peux même pas. Lève-moi ta main. Si c'est la bouillie qui est dans ta tête, prends pour toi, tu distribues pour tes amis. On t'apprend à déchets de vie. Tu voulais le chocolat par espèce de coronavirus. Vois. Canéton. Ils vous ont fait rire. Prouve-moi que c'est ta femme. Il va te prouver avec. Il va te prouver avec quoi? Ils vous ont fait frissonner de bonheur. Je voulais vous enceinter. Quoi? Gratuitement. Négociez donc, j'ai pris le bouloudon. Je t'ai nourri au long pour Andana. C'est moi que tu vas avaler, c'est ça? Andana. Aujourd'hui, il vous tend de la main. Je vais te faire quelque chose, laisse. Tu me fais quoi?
chemin. Tu es derrière la femme des gens. Tu marches, elle ne suit même pas derrière. C'est toi qui aspires, salopard. Fingon, Tralala, ils sont Nikuri, Nikushue, Blackoya, Nili, Yele, l'amiral Toulé, Macris vous attendent. Président, vous t'appelez. Allez, mets ton chapeau. Le chapeau. Je comprends que tu as perdu les élections, celui qui a gagné. Enlève le chapeau. Allez, mets ton chapeau. Enlève le chapeau. Mais ça va, c'est comment? Allez, mets le chapeau là. Ouais. Mais on saute. Tu demandes de sauter, non? Saute. Voilà. Saute encore. À tous les fans du Cameroun et de la diaspora, à tous les lampadaires du Fingon Tralala, il est temps de prouver votre attachement à l'occasion de leur tournée nationale et internationale. Fingon Tralala et son écurie vous tendent la main. Ouais, monsieur, oh, s'il vous plaît, libérez. Tu parles les CSM pour venir piéger. Oui, j'ai piégé. Un geste, une modeste contribution, un soutien de votre part est attendu. Et c'est maintenant. Retrouvez le lien de contribution sous la vidéo ou le numéro de transfert mobile. Coupe-moi bien, oh! Ouais, grand, laisse-le au cul! Chers fans, ça c'est le moment où à jamais. On a vraiment besoin de votre soutien pour faire cette tournée. On a vraiment besoin de votre soutien. C'est Mota Penda. Chers fans, nous avons vraiment besoin de votre soutien pour faire cette tournée. Nous avons vraiment besoin de vous pour cette tournée nationale et internationale. On a vraiment besoin de votre soutien. Nous avons vraiment besoin de votre soutien. Alors ne nous lâchez pas, s'il vous plaît. Merci. Nous comptons énormément sur vous. Les fans, les lampadaires, à vous d'apporter votre pierre à l'édifice. C'est le geste qui compte. Merci.